Bonjour. Dans ce concert, je parlerai d'un des chefs-d'œuvre du répertoire symphonique, la Symphonie fantastique de Berlioz. Cette symphonie monumentale est ce qu'on appelle de la musique à programme, c'est-à-dire que Berlioz a écrit une histoire et composé de la musique qui suit cette histoire, un peu comme un opéra mais sans chanteur. Et comme il n'y a pas de paroles, le programme, l'histoire, est distribué au concert pour que l'auditeur puisse suivre l'histoire racontée par la musique. Berlioz nous parle d'un jeune musicien atteint, je cite, de vagues des passions et qui voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes de l'être idéal que rêvait son imagination et en devient éperdument épris. Il y aura donc de l'amour, de la passion, mais aussi de la jalousie, du poison. Nous sommes en 1830, en plein romantisme, tout est exacerbé. Quand on aime beaucoup, et quand on souffre beaucoup. Tout cela est incroyablement bien exprimé par la musique de la Symphonie fantastique, dans laquelle Berlioz déploie ses talents d'orchestrateur. Il a inventé dans cette symphonie de nouvelles manières d'utiliser certains instruments. Et bien tout cela, nous verrons ensemble, grâce à la présence des 80 musiciens de l'Orchestre Symphonique Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, à bientôt, au concert.